Bonjour, on va calculer la limite de x plus 1 facteur de l'exponentielle de x plus 1 sur x plus 2 quand x tend vers moins 2. Quand x tend vers moins 2, on a ici le dénominateur qui tend vers 0. Donc on aura moins 1 sur 0, c'est une forme indéterminée. Alors on va enlever cette forme indéterminée. Donc on va discuter à gauche et à droite du 2. On a limite de x plus 1, exponentielle x plus 1 sur x plus 2, quand x tend vers moins 2 plus, il est égal à la limite de x plus 1, exponentielle x plus 1 sur x plus 2, quand x tend vers moins 2, avec x supérieur à moins 2, donc est égal à la limite de x plus 1, exponentielle x plus 1 sur x plus 2, x tend vers moins 2, mais x plus 2 il est supérieur à 0. Donc, il est égal x plus 1, lorsqu'on remplace x par moins 2, on aura moins 2 plus 1, c'est moins 1 sur 0 plus, c'est moins l'infini. Donc on aura limite de x plus 1 quand x tend vers moins 2, x plus 2 supérieur à 0, pardon. On va séparer la limite, on a la limite de le produit sur le produit du limite, est égal à la limite de x plus 1 quand x tend vers moins 2, x plus 2 est positif, multiplié par limite de l'exponentielle de x plus 1 sur x plus 2 quand x tend vers moins 2, x plus 2 est positif. On a cette limite, elle tend vers moins 1 plus 1 vers cette forme polynôme. Ici, x plus 1 elle tend vers moins 1 sur 0 plus, c'est moins l'infini, exponentielle moins l'infini, c'est 0. Donc elle est égale à 0. Donc, limite de x plus 1, exponentielle de x plus 1 sur x plus 2, quand x tend vers moins 2 plus, c'est égal à 0. On va calculer limite de x plus 1, exponentielle x plus 1 sur x plus 2 quand x tend vers moins de moins. Donc elle est égale à limite de x plus 1, exponentielle x plus 1 sur x plus 2, x tend vers moins de moins, donc x tend vers moins de 2, x est inférieur à moins de 2. Pardon ? Donc, est égal à la limite de x plus 1, exponentielle x plus 1, sur x plus 2, x tend vers moins 2, mais x plus 2 est inférieur à 0. Donc, le terme d'en bas ici, il tend vers 0 moins. En gros, moins 1 sur 0 moins, c'est plus l'infini. C'est-à-dire que l'exponentielle x plus 1 quand x tend vers, sur x plus 2 quand x tend vers moins 2 inférieur, elle tend vers plus l'infini. Nous avons moins 1, moins 1, moins 1 sur 0 moins. C'est plus infini, exponentielle plus infini. Donc il est égal, pardon. Cette fonction exponentielle tend vers plus infini, l'autre tend vers moins 1, donc c'est moins l'infini. Donc il est égal à la limite. On peut se parler de limite x plus 1 quand x tend vers moins 2 multiplié par limite de l'exponentielle de x plus 1 sur x plus 2 quand x tend vers moins 2, x plus 2 est inférieur à 0. Donc est égal
1 moins 1, multiplié par plus infini, donc il est égal à moins l'infini. Voilà, on a trouvé la limite à droite. 2 moins 2 est égal à 0, à gauche 2 moins 2 est égal à moins l'infini. Donc, la fonction définie par x plus 1, exponentielle x plus 1 sur x plus 2, n'admet pas de limite au voisinage de 0. 2 moins 2. Merci pour votre attention. À la